Bonjour à toutes et à tous. Alors, exceptionnellement, je vous mets, donc si après, donc dans la continuité, une séance de yoga que j'ai enregistrée sur Zoom, donc une séance de 2 heures. Les participants ont eu la gentillesse d'accepter que je diffuse cette vidéo sur YouTube. Voilà, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ferai peut-être aussi la même chose sur, avec une vidéo d'une heure, une séance d'une heure, voilà, on verra. Voilà, donc c'est exceptionnel, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Zoom, donc en fait c'est vraiment quand même très 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 bien, ça passe bien au niveau de l'énergie, au niveau des sensations, on peut arriver à faire des très 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 bonnes séances aussi avec Zoom. Voilà, je précise quand même aussi que c'est un cours de 2 heures, donc comme tous les cours, il n'y a rien de préparé. Et en fait, voilà, c'est fait vraiment dans l'instant avec les énergies, les sensations que j'ai des participants. Ce qui veut dire que ce sont à chaque fois des cours très, surtout les cours de 2 heures, sont des cours avancés qui sont quand même assez particuliers. Voilà. Par exemple, dans ce cours, on va beaucoup travailler les mantras, notamment le Kaili Larim, plus d'autres associations avec le Om Namah Shivaya. Voilà. Bon, dans tous les cas, peu importe, si ça vous dit, je vous laisse découvrir et faire cette séance. Donc, je vous dis à très bientôt et puis une bonne séance à toutes et à tous. À très bientôt, j'espère sur Zoom. C'est à vous maintenant. Ciao, ciao. Allez, quelques petits Kapalabhati. On va faire Kapalabhati avec le mantra Om Namah Shivaya. Donc normalement tout le monde le connaît. Camille aussi. Ouais, voilà, super. T'as compris avec le pouce en l'air, c'est bon. On va avoir mentalement, donc on va se concentrer dans son énergie du front, tout en haut. Et dans l'espace lumineux, on va essayer d'avoir en permanence le son Om qui vibre. Voilà, tout le temps le son Om, le son Om. Et sur un deuxième registre, sur un deuxième niveau de pensée, on va mettre le mantra Namah Shivaya sur un bija, comment ça s'appelle, une syllabe sur chaque souffle. Donc le son Om dans l'espace lumineux et Namah Shivaya qui tourne en fait autour de ce point. C'est bon? Allez. Donc fermez les yeux. Les bras, les doigts. La langue retournée. La tenue de la base. Montez les sourcils. Le sourire. La convergence.
Toujours le son en permanence. Namah Shivaya.
Toujours le son en permanence, Namah Shivaya.
Thank you.
Rester dans cette sensation intérieure un peu bizarre. Une défaite assise, allongez-vous. Un peu comme une sorte de nidra, un entre-deux. Et puis tout doucement, revenez dans le souffle. Étirez-vous et reprenez une assise. Ça va, ça va, ce petit souffle. Donc en permanence le sombre, Namah Shivaya qui tourne autour. Là on a fait presque deux gatika, donc c'est pas mal. Les sensations sont différentes. Et dans la pratique, pour il y a Bertil, Philippe et Yves, c'est important aussi de s'allonger à la fin. Voilà, c'est-à-dire que le fait de s'allonger, ça met dans un autre état aussi. Et ça peut permettre un autre passage. Donc, voilà, c'est bien l'assise, parce qu'il y a des sensations, mais des fois, juste à la fin, on change, et ce changement au niveau du corps, ça va avoir un impact au niveau énergétique, et ça peut changer, ça peut faciliter un passage. C'est-à-dire, quand on s'allonge, c'est, encore une fois, c'est pas juste pour dire, ça y est, j'en peux plus, je m'allonge. Non, c'est simplement parce que d'un point de vue énergétique, on change de canevas, on change de structure. Et voilà, comment on en lançait des énergies, en changeant de structure, ça peut ouvrir une porte. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Après, bon, voilà, c'est pas grave non plus. Hein. On va continuer avec, on va essayer de faire un petit peu de bien au niveau du corps. On va faire l'arc en élévation. On l'a fait dernièrement, je crois. Je sais que vous l'aimez bien, celle-là. Vous en sonnez ? Arc comme ça. Et puis on fixe un peu en face, et là vous allez croiser donc avec le coude gauche au sol, et avec la main droite vous attrapez la cheville gauche, oui c'est ça,
On lève la tête, on pousse le genou vers le plafond et on met le basrika. Inspiration, tenue à plein, etc. Alors essayez de bien attraper la cheville. Donc prenez la position. Le coude gauche au sol. Levez la tête. En plus la cheville, Yves, toi tu attrapes le dessus des pieds. La cheville, c'est plus bas. Voilà, donc expirez, attrapez avec la main droite la cheville gauche. Levez la tête, Marie. Inspirez, poussez le pied vers le plafond, poussez le pied, le genou. Et le soufflez. Bertil, il faut croiser le soufflet dans l'axe. Voilà, c'est mieux. Inspirez, tenez à plein et essayez de pousser le bras détendu. C'est le genou, le pied qui pousse, qui monte. Laura, essaie de monter un peu plus. Écarquez les yeux, le sourire. Annie, monte le genou. Montez la tête. Expirez. Relancez. Dessous dans l'axe. Inspirez, tenez à plein, étirez, montez, poussez le pied. Levez bien la tête, Bertil, essayez de monter plus la tête, le point face. Relancez. Inspirez, tenez à plein, poussez le genou au plafond, poussez le pied. Et puis en expirant, relâchez. Et puis, on va faire l'autre côté. Camille, je ne sais pas si tu as bien fait. Il faut croiser. C'est le bras droit avec la jambe gauche. Bras gauche avec jambe droite. Je vois, comme tu es en noir, je ne vois pas trop en fait. Je ne sais pas si tu as bien croisé. C'est le bras et la jambe opposée. Il me semble que tu as peut-être fait le même côté. C'était bon ? Bon, ça va alors. Ok, parfait. Donc l'autre côté, l'autre bras au sol, parce que je crois qu'il y en a qui ont inversé, c'est pas grave. Donc croisez, attrapez bien au niveau de la cheville. Laura descend, voilà. Levez la tête, souriez. Marie sourit, je te vois. Expirez, inspirez, montez et lancez le soufflet. Toujours dans l'axe, soit. Inspirez. Tenez à plein. Allez, si on voit que le bonnet, c'est top.
à relancer. Inspirez. Tenez à plein, poussez, montez. Ah, c'est mieux Philippe, ça se déclenche. Essayez de pas trop sortir le genou. Amélie, essayez de rentrer plus le genou vers l'autre. Tu sors trop le genou sur le côté. Voilà, c'est mieux comme ça. Sinon, ça va trop tirer dans les tendons. Dernière série. Inspirez. Et puis en expirant, vous allez reposer et relâcher. Bon, ça va, ça fait du bien. C'est tirer un peu le corps. On va continuer, on travaille, bon, je pense que vous avez saisi un petit peu aujourd'hui, plus dans la sensation d'espace intérieur. On fait les postures, on va faire deux postures, on prendra l'arc tout simplement, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation d'espace intérieur, de vibration, de lumière, d'ouverture dedans. Là, on va prendre le mala et on va utiliser le mantra Kaelilarim, Asakalarim, Sakalatrim. Bertil, tu connais ce mantra? Pousse. Oui, tu connais, il n'y a pas de problème. Camille? Non? Bon, alors, on va essayer de faire un truc. Tic-tac-tac-tac. Écran partagé. Tableau blanc. Texte. Alors, le mantra, c'est K. Je vais mettre en majuscule. Donc c'est K E L I la rim a sa ka la rim sa ka la rim. Alors c'est bon pour tout le monde? Elle est où Camille? Oui Camille, c'est bon, vous arrivez à voir? Ouais, si je mets en plus gros, est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Ouais, tout le monde arrive à voir, à écrire? Kaelilarim, Asakalarim, Sakalatrim. Camille, est-ce que c'est bon? Ouais? Ok. Donc, si vous avez un mala, prenez le mala. Et dans la sensation, donc on va le faire à haute voix ou en murmuré. On va dire que ça dépend de l'environnement que vous avez autour. Je ne sais pas utiliser le mala. Bon, c'est pas grave, t'embête pas pour l'instant Marie. On va pas s'embêter avec ça, on verra plus tard. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de sentir le mantra qui tourne autour de la colonne vertébrale en montant, en spirale. Il part à chaque fois du bas, Kaelilarim, Asakalarim, Sakalatrim, jusqu'à la fontanelle ou au-dessus. Et à chaque fois, on repart du bas. Kaelilarim, Asakalarim, Sakalatrim, et on repart. Kaelilarim, Asakalarim, Sakalatrim. Donc, il faut arriver à sentir la vibration du mantra et une énergie qui monte, qui tourne. Voilà, donc ça va venir petit à petit. C'est bon? Allez,
Donc si vous avez l'habitude, prenez le mala, sinon c'est pas grave. Donc fermez les yeux, montez le regard, tenez la base. Donc soit murmurez, soit haute voix en fonction du milieu dans lequel vous êtes, mais pas mentalement. Expirez. Inspirez le ventre. Et le mantra. Kailarim asakalarim sakalatrim. 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 Bien vertical. Kailarim asakalarim sakalatrim. Le toucher du mantra. Kailarim asakalarim sakalatrim. 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 Kailarim asakalarim
sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim kaelilarim asakalarim sakalatrim
Kaelilarim, Masakarim, Sakalatrim, 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 Kaelilarim, Masakarim, Sakalatrim. Juste le silence, l'immobilité, la verticalité. La sensation de l'énergie qui continue à monter en spirale autour de l'axe, qui vous redresse. La lumière, l'ouverture du cœur. Bon Camille, ça y est, t'as retenu. Voilà, donc on va le, donc là on l'a travaillé une première fois. Vous allez voir, on va rajouter un élément tout à l'heure sur ce mantra. On va continuer, on va juste faire une petite série dans l'arc complètement. Vous en souvenez, à plat ventre, on attrape les deux chevilles et on monte les pieds au plafond. Le cochon pendu. Non. Non, mettez-vous à plat ventre. Si la rappeuse. Le menton au sol,
en expirant, attrapez les deux chevilles à pleine main, vraiment les chevilles. Le sourire, la base. Et en inspirant, poussez les pieds vers le plafond, essayez de décoller les genoux. Ce que vous pouvez, et lancez le soufflet. Inspirez, tenez à plein, essayez de pousser les genoux, la sensation du souffle dans la colonne, dans l'axe. Dans le souffle, essayez de trouver l'immobilité. Le corps ne devrait pas bouger même si vous travaillez avec le ventre. Toujours soit dans l'axe, expirez. Et relancer. Inspirez, tenez à plein, poussez les pieds, la sensation dans la colonne, la vibration, écarquillez les yeux, la langue, le sourire. Inspirez, tenez à plein, poussez les pieds, la langue, le sourire, écarquillez les yeux, la vibration dans l'axe, essayez d'avoir les deux pieds au même niveau, Annie, tu as le pied droit qui est plus bas que le gauche, essayez de monter le genou dans l'inverse, monte. Et puis sur l'expiration, tout doucement, vous allez relâcher le poing droit dans la paume de la main gauche, sur le front, sur le poing. La sensation de l'axe. Observez quelques instants. Ça va, ça chauffe? On
on va continuer avec la posture debout, puisque Yves est debout, il a décidé de faire la posture. Donc la posture debout, toute simple, les pieds joints. Les pieds joints, et puis vous allez mettre les mains en Anjali Mudra, donc comme ça, mais dans le dos. Bertil, ouais, je ne sais pas si tu as saisi, donc les mains en Anjali, comme ça, mais dans le, derrière, dans le dos. Donc les doigts vers le haut. Les pieds sont vraiment joints, devant, derrière, Marie, voilà. Les autres, ça va à peu près. Les yeux vont être fermés, le regard tout en haut, dans le front, la langue retournée, tout ça, ça va être classique. Et vous allez mettre le souffle dans l'axe sur un rythme carré. Donc les quatre phases égalisées. L'inspiration qui monte, la tenue à plein dans la colonne, l'expiration qui descend et la tenue à vide. Et dans la tenue à vide, essayez de sentir qu'il y a dans tout l'axe, il y a une aspiration. Et ainsi de suite. Voilà, donc fermez les yeux. En expirant, puisque si ce n'est pas déjà fait, menez les bras derrière, les paumes de main vers le haut, les doigts vers le haut. Et puis, à votre rythme, donc installez le souffle, les quatre phases égalisées. L'inspiration, la tenue à plein, l'expiration, la tenue à vide. Vous pouvez utiliser le son OM pour le compte.
sur la prochaine expiration, vous allez relâcher, ramener les mains devant, pouce index joint, non pas en Anjali, juste devant, les bras tendus, les paumes de main tournées vers l'avant, le dos vertical, essayez de rester dans l'immobilité. Donc pouce index joint, les bras en bas et les paumes de main tournées vers l'avant. Et là, juste ressentez l'axe, la verticalité et en même temps la sensation, l'ouverture du cœur et tout en haut la lumière tout en haut, la lumière dans le cœur, l'axe, le feu aussi. Puis de nouveau le souffle et relâchez. Ça va, Yves, le son, il était trop fort? Ah ouais, pour les autres, ça va le son? Le son du bol? Ouais. On va continuer, en fait, on va reprendre le mala et on va reprendre le mantra. Donc Camille, c'est pas la peine, je le raffiche pas. Kaeli la rime, Saka la rime, Saka la trim, ok. Donc le mantra, vous allez le mettre toujours, on va le mettre de la même manière, le mantra qui monte autour de l'axe, sur à chaque fois qu'on le dit, soit haute voix, soit en murmuré, comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, vous allez rajouter mentalement le son Om Namah Shivaya. Donc en même temps que vous faites le mantra Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim, vous allez prononcer mentalement Om Namah Shivaya et sentir que le Om Namah Shivaya tourne en haut, comme on l'a fait tout à l'heure dans le Kapalabhati, et l'autre mantra qui monte Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim. Il faudrait arriver à faire en sorte que les deux mantras soient dissociés. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le Om Namah Shivaya sur Kailarim. C'est Om Namah Shivaya en permanence, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, et Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim. Les deux mantras ont une vitesse différente, ce qui va vous aider à les dissocier. Est-ce que c'est clair qu'on pratique? Ouais. Ensuite, puisqu'on va enchaîner, ensuite, on va passer sur la pratique d'Antarmuna allongée. Bon, pour ceux qui connaissent, normalement on l'a fait en assise, là on va le faire allongé. Antarmuna, donc la première phase, faudra que tu mettras peut-être les bouchons d'oreilles, Yves, si ça tire trop au niveau du son. Donc la première phase, vous allez vous concentrer, je vais faire tourner le son du bol, vous allez vous concentrer sur le son du bol. Voilà, toute la concentration là-dessus. Après, vous allez vous concentrer, donc je vous redonnerai les phases, mais je vous le dis d'abord, au cas où. Ensuite, vous allez vous concentrer sur un son produit par le corps. Donc ça peut être le son intérieur, ça peut être le son du souffle, le son du sang dans les oreilles, boum, boum, voilà. Après, à vous de voir ce que vous trouvez en son produit par le cœur, par le corps. Mais c'est toujours le même, vous n'allez pas changer. Donc le son du bol, le son produit par le corps. Ensuite, vous allez vous concentrer sur une image, sur une scène, sur un souvenir, une scène que vous allez choisir.
Et là, vous allez vous concentrer dessus un petit peu comme si vous figiez la scène, comme un arrêt sur image. Ensuite, vous allez choisir une scène. Donc la première phase, vous choisissez une scène. Et la deuxième chose, vous laissez venir une pensée. Et cette pensée, vous allez l'immobiliser en image. Et la dernière phase, on enlève tout et on reste dans le rien. C'est bon ? Donc je vous redirai au fur et à mesure. Dans la première partie, Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim et Om Namah Shivaya, il faudrait avoir la sensation que l'énergie monte pour rejoindre la conscience. Kailarim, c'est un mantra à l'énergie. Donc le Kailarim qui monte, l'énergie qui monte et qui essaie de rejoindre la conscience. Et à un moment donné, en même temps, une sensation, c'est le cœur qui s'ouvre, c'est la fusion qui doit se faire au niveau du cœur. C'est un peu compliqué, mais essayez de jouer avec tout ça. C'est bon ? Allez, donc prenez le mala. Tendez les index, tenez la base, étirez la colonne, la langue, le sourire, tous les éléments. La convergence tout en haut. L'espace lumineux. La vision, la sensation, le toucher de l'axe. Mentalement, commencez à mettre le mantra Om Namah Shivaya qui tourne mentalement en haut. Donc un mantra non articulé. Et puis expirez la poitrine, le ventre. N'arrêtez pas le mantra Om Namah Shivaya. Inspirez le ventre. Et Kailarim. Kailarim, Asakalarim, Sakalatrim. 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 Kailarim, Asakalarim,
sakalatrim, kailarim, asakalarim, sakalatrim, kailarim, asakalarim, sakalatrim, kailarim, asakalarim, sakalatrim, kailarim, asakalarim, sakalatrim, kailarim, Kailarim,
sakalarim, sakalafrim, kaeilarim, 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 sakalarim, sakalafrim. Les deux mantras, les deux énergies qui tournent dans le cœur, l'union, la fusion. Gardez les yeux fermés, allongez-vous. Une sensation d'espace différent, allongé. Puis là, concentrez-vous sur le son du bol,
sens dans les oreilles ou autre. Vous allez maintenant vous concentrer sur une pensée que vous allez choisir. Et là, comme un arrêt sur image, toute la concentration sur cette pensée en image.
maintenant, vous allez laisser venir une pensée. Donc relâchez, laissez venir une pensée. Et pareil, concentrez-vous sur cette pensée, là aussi, comme un arrêt sur image. Et puis maintenant, soit vous allez voir cette image qui s'éloigne de vous jusqu'à disparaître, soit vous l'enlevez d'un coup et vous restez comme ça, dans le rien.
Et puis progressivement, vous allez revenir dans l'ici et maintenant. D'abord le souffle. Revenez dans le souffle. L'air qui rentre, l'air qui sort, l'air autour de vous. Et puis tout doucement, recommencez à bouger les pieds, les mains, les jambes, les bras, étirez-vous. Et reprenez une assise. Ça va, ça allait ? Sympa comme pratique, hein ? La difficulté, encore une fois, c'est la qualité de concentration. Voilà, de rester concentré, concentré, concentré. Et c'est là où, encore une fois, on s'aperçoit que la concentration, ça demande beaucoup d'énergie, voilà, mentale, pour arriver à rester bloqué sur un processus. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite session. Je voulais vous demander d'abord, j'ai enregistré la vidéo, est-ce que vous m'autorisez à la mettre sur YouTube ? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose un problème ? Pas de problème ? Cécile, c'est bon ? Daniel ? C'est bon ? Oui ? Ok. Bertil ? C'est bon, ok, super, merci. Donc je vais la mettre sur YouTube, je ne mettrai pas, j'en mettrai qu'une pour montrer, pour essayer de faire un peu de, comment on dit, un peu de marketing pour montrer aux gens ce que c'est, de toute façon inciter d'autres personnes éventuellement à venir aussi sur les cours par Zoom, parce que c'est quand même, je trouve, assez bien. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie grandement, et puis ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si je ne vous vois pas ce week-end, et puis à très bientôt. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.